Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et copains et copines. On espère de bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Mais c'est quoi cet accoutrement là? C'est une tenue de dentiste. Vous êtes devenus des dentistes? Oui, oui. On a eu notre permis de dentiste. Waouh, ton permis de dentiste. D'accord. Et avec quoi on va jouer aujourd'hui maintenant que vous êtes devenus des dentistes? Malochico. Malochico, c'est quoi ce jeu? Ça consiste en quoi? En fait, c'est un loup qui a mangé n'importe quoi dans son et tout s'est collé dans son appareil dentaire. Un loup avec un appareil dentaire? Oui, tout à fait normal. Bon, alors l'appareil dentaire, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Oui. D'ailleurs, toi, tu sais bien, t'en avais un l'année dernière, hein. Oui. Effectivement, charmant souvenir. Et donc là, les aliments sont coincés dans l'appareil dentaire de ce loup. Oui, et vous allez faire quoi alors? On va lui enlever toutes les saletés qu'il y a dans son appareil dentaire. D'accord, vous allez le libérer. Oui, c'est ça. Et il va se laisser faire, bien sûr. Non. Alors en fait, il faudrait être très très adroit. Ça ressemble un petit peu au docteur Maboul. Oui. Et si vous êtes un peu maladroit et que vous farfouillez trop dans ses dents, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ferme la bouche. Oh, il vous croque? Oui. Oh là 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 là. Et il le dit, hein, me fais pas mal ou je te croque. Ah. Attention. Vous êtes prêts pour jouer à Malochico? Oui. Allez, c'est parti. Hop là. Oh là là, le beau loup que voilà. Il a une bonne tête, dis donc. Oui. Dans la boîte de Malochico, on a effectivement le gros loup, la grosse tête de loup. Il est à l'appareil dentaire. Ah, il est à l'intérieur. On va montrer ça aux copains et aux copines. Voici le loup vu de plus près. Alors effectivement, il semble avoir mal aux dents puisqu'il a, regardez, un ruban autour de la tête. C'est ce qu'on fait normalement, enfin c'est ce qu'on faisait avant en tout cas quand on avait très mal aux dents et qu'on n'avait pas d'autres moyens pour soulager la douleur. Et à l'intérieur, il a effectivement un appareil dentaire, on le voit, un appareil métallique dans lequel vont venir se coincer tout un tas de petits objets. Et attention, si on le chatouille trop, il mord. Voici tous les objets qu'on va glisser à l'intérieur de la bouche du loup. Donc il y a des trèfles, c'est ça? Oui, c'est ça. Des trèfles, des chaussures, des lunettes, des arêtes, une grenouille. Oui, ça c'est quoi? Je sais pas, on dirait un petit verre. C'est un petit verre, voilà. Un petit château de sable, voilà. Et une tasse. Et une tasse, il a mangé tout ça le loup. C'est bizarre quand même, hein. Il mange des choses étranges, hein. Et il y a aussi une roulette qui va nous permettre de déterminer la couleur de l'objet qu'il faut aller récupérer dans la bouche du loup. Malochico est prêt. On a les petits objets, on a la roulette. Je vous explique la règle du jeu, c'est super simple. D'accord. La petite roulette détermine la couleur de l'objet qu'il faudra aller chercher dans la mâchoire du loup. Vous pouvez attraper l'objet soit avec la pince qui est ici, voilà, ça c'est le côté pince, touk, touk, soit avec le crochet qui est de l'autre côté. Donc ça, c'est à votre convenance, les garçons. Une fois que vous aurez récupéré l'objet, vous le placez devant vous et c'est un objet gagné. D'accord. Par contre, si avec le crochet ou la pince, vous touchez un des morceaux en fer de l'appareil du loup, ça, tu peux le mettre en route si tu veux, Néo, il y a le bouton derrière. Ça y est. Absolument, il ouvre la mâchoire. Donc on voit bien maintenant les morceaux de fer. Donc si avec la pince ou le crochet vous touchez un des morceaux de fer, la mâchoire du loup va commencer à se refermer. Fais-nous une démonstration, Néo. Encore. Oh, on lui a fait mal là. Encore, encore. Oh là là, oh là là, oh là là. Et voilà. Donc on voit bien qu'au bout d'un moment, si on est trop vraiment mauvais dentiste avec ce pauvre loup, il referme la mâchoire et là on ne peut plus rien faire. Non. Le gagnant, c'est celui qui aura réussi à extraire le plus d'objets avant soit la fin du jeu, soit la fermeture de la mâchoire du loup. Ouais. Bah, c'est facile. Mais oui, c'est très facile. Il faut juste pas toucher les fers. Oui, parce que si on touche le fer, c'est là où ça se complique. Si on touche le fer, on perd l'objet qu'on était en train d'attraper et on perd en plus un objet qu'on avait déjà gagné. Oh, oh, c'est plus dur. Donc il ne faut surtout pas toucher le fer, sinon c'est perdu et même perdu deux fois. Vous avez bien tout compris? Oui. Tout compris. Vous êtes prêts? Oui. Celui qui commence, c'est celui qui imite le mieux le cri du loup. Ah ouh. Ah ouh. Ah ouh. Ah ouh.
C'est pas un chat, ça? Oh. C'est entre le loup et le chat. Alors, qui commence? Moi. Ouais, je pense que c'est Swan. Je fais bien le loup. Swan, c'est toi qui commence? Allez, c'est parti. On ouvre de nouveau la bouche du loup et on commence. On met tous les objets à l'intérieur. Allez, tout d'un coup. Et on secoue même un petit peu la mâchoire pour que tout se positionne bien. Il ne faut pas que les objets soient sur la langue ou sur les dents. Ils doivent vraiment être uniquement sur l'appareil dentaire. On est parti? Oui. On est parti. Allez, Swan. Vert. Tu dois donc attraper un objet vert. Celui que tu veux, mais il faut qu'il soit vert. Avec la pince. Oulala, top, oulala. Top, top. Oh là là, oh là là, oh là là, tu lui as fait mal, donc là c'est perdu. Mais comme tu n'avais pas d'objet, t'as rien perdu d'autre. Vas-y Néo. Bleu. Bleu pour Néo. Alors attention. Pour attraper avec le loup. Pas grand chose. Des choses difficiles. Toi t'essayes le crochet? Quel suspense. Oh, voilà. Bravo. J'ai eu Néo. Et un objet pour Néo, c'est bien. Allez Swan. Vert. Faut pas toucher les dents. Les dents c'est pas grave. Les dents, la langue, c'est pas grave. C'est le fer. C'est le fer qu'il ne faut pas toucher, petit cœur. Ah zut. Oh là là, oh là là. C'est au tour de Néo. Alors oui. C'est pas évident pour Swan a priori. Oui. Alors Néo, vas-y. Orange. Orange. Alors vas-y. Alors tu fais quoi? La chaussure, j'y suis presque. Avec le crochet? Oui. Alors attention. Oui, j'y suis presque. Ah. Je crois que tu l'as emmené ailleurs, non? Oh là, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai attrapé. Ah, ça y est, elle est là. Oui. Je l'ai. Ouf, dis donc. Allez, deux objets pour Néo. C'est au tour de Swan. Tiens. Ah, bleu. Alors. C'est facile, les bleus. Vas-y, petit cœur. C'est pas facile du tout. Hein. Alors, tu essayes quel objet? Le château. Allez, c'est parti pour le château. Allez Swan. Allez. Bientôt. Presque. Oui, très bien. Voilà, t'as eu un objet. Voilà. Super. C'est bien, madame. Tu l'as eu. Allez, c'est plus facile de tous les deux. Ah, donc avec la pince, je pourrais attraper comme ça. Là. Ah bah tu vois. Allez, c'est à tour de Néo maintenant. Orange. Et orange. C'est pour être plus difficile. Tu essayes les arêtes? Ouais, ça va être autant que j'y arrive, mais je vais essayer. Touche pas le fer. Ah, attends, je vais essayer là. Yes! Je l'ai! Ah, super, dis donc, t'es fort à ça, hein? Ouais, je suis fort! Allez, déjà trois objets pour Néo et c'est au tour de Swan. Si c'est vert, c'est pas grave. Bleu! Bleu, c'est bien? Ah, bleu. Ah, bon, bleu, c'est bien, apparemment. C'est facile, oui. Attention, bleu. C'est pas évident la pince, hein? On a l'impression qu'elle se referme pas, en fait. Oui. On a vu le crochet est plus simple. Allez, Swan. Allez, Swan, hein, si tu veux devenir dentiste, il faut s'entraîner. Youhou! Ouais, tu l'as eu! C'est bon? Super! Oui. Eh ben, tu vois, allez, deux objets pour Swan et trois objets pour Néo. C'est au tour de Néo. À mon tour. Ah, bleu! Allez, bleu, c'est parti. C'est plus difficile. Ah oui, maintenant c'est plus difficile, il y en a. Avec le crochet, je pense pas. Je vais essayer quand même. Oui, J'y suis presque. Allez, pince! Je l'ai! Ah, super! Allez, quatre objets pour Néo, c'est bien! Allez, Swan, c'est ton tien! Vert! Oui. Alors, c'est parti, mon le vert, il y a les lunettes, je crois, il doit rester la grenouille. Ah, il y a le vert. Ouais, il est le vert! Super, regarde, Swan! C'est super facile! Eh ben, tu vois! Allez, c'est bien! Et trois objets pour Swan. Allez, c'est au tour de Néo. À moi. Orange. Alors, allons-y. Il y a encore une chaussure. Je vais essayer la chaussure. La chaussure, ce... avec le crochet, je te conseille pour la chaussure. Conseil de Swan. Allez, l'objet orange. Mais le crochet, comme ça, tu pourras mettre... Ouais, j'ai une chaussure. Eh ben voilà, super. Allez, vas-y, tourne la roulette, petit cœur. Orange. Orange. Oh là là, allez vas-y, orange. C'est lui je crois. Vas-y petit chou. Ah non, le crochet c'est lui. C'est pas facile du tout. C'est un jeu d'adresse. C'est trop difficile pour moi, j'abandonne. T'abandonnes, tu préfères plutôt que de perdre un objet?
Ouais. Bon. D'accord. Eh ben allez, Swan y passe son tour parce que le orange est difficile à attraper. Il se doute qu'il risque de perdre un des objets en sa possession. Allez, Néo, c'est ton tour. Donc il a le droit de le faire, hein. Dans la règle du jeu, c'est bien stipulé. Il a le droit de passer son tour pour ne pas prendre le risque de perdre un de ses objets. Alors, vert pour Néo. Oh ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Je sais pas. T'as dû le... toucher la mâchoire ? Ils ont dit que, attention, si ça dure trop longtemps, ils ferment la mâchoire. Ah bah voilà, voilà. La partie était trop longue. Voilà. Le loup en avait assez d'avoir la mâchoire ouverte, il en pouvait plus. Donc ça y est, la partie est terminée. C'est qui a gagné ? Vous avez combien d'objets ? Moi j'en ai 5. Et Swan ? 3. Donc c'est une victoire pour... Néo. Et voilà, bravo Néo. Évidemment. Bravo Swan quand même. Évidemment. Très bien Swan. Bravo Swan, tu t'es quand même bien défendu petit cœur, c'est bien. C'est très bien. Alors comme Néo a remporté cette première partie, mais que Swan a quand même un petit peu de mal à attraper les objets, la revanche de Swan va en réalité être faite par... Maman. Absolument. Donc je viens à la rescousse de Swan et c'est moi qui vais cette fois-ci affronter Néo pour une deuxième partie. Tu es prêt, Néo ? Prêt. Attention. Tintin. Qui commence ? Toi. Ok, c'est parti. Attention. C'est le conseiller orange, fais gaffe aux poissons. D'accord, chérie. Alors, c'est le bleu. Je joue, bien sûr, pour le compte de Swan. Donc, pour l'instant, Néo a remporté une partie. Et maintenant, avec Swan, on essaye une deuxième partie. Attention. Oh, attends, c'est super facile. Et hop là, premier objet pour maman. Allez, Néo, c'est ton tour. À moi. Orange. Oh, les plus durs. Allez, Néo. Hop. Allez, allez. Deuxième objet. Allez, ma chaussure, moi. Oula. Lancer de chaussure réussi. Allez, c'est mon tour. Orange. Oh là, c'est dur, orange. Fais gaffe aux poissons. Je vais essayer le poisson qui est là. Ok. Oh non. Soit non obligé de rendre notre objet. Ah oh, zut. On le remet dans la bouche. Oh là, attends. Oup, voilà. Allez Néo, c'est à toi. Vert. Vert pour Néo. Vas-y. Ça va. Vert, c'est son vert. Moins plus dur. Moins plus dur, ça veut dire pas très dur. Allez, je le veux quand même. Ouais, je l'ai eu. Oui, c'est bien. Deux objets pour Néo. Et vert pour nous aussi, Swan. Attention, t'es prêt? Il y a la grenouille qui m'a l'air simple. Attends, mais si, celle-là, là. C'est la grenouille, ça? Ah oui, c'est une grenouille. En fait, il y a Oui, c'est bon, on a eu la grenouille, Swan. Tiens, grenouille. Super. Allez, Néo, c'est ton tour. Ça va, grenouillette? Vert aussi. Ça va, grenouillette? Grenouillette, tu l'appelles? Alors, Néo tente les lunettes. Lunettes. Et voilà, trois objets pour Néo, c'est bien. Bleu. Bon, alors, Swan, je vais essayer de récupérer notre tasse qu'on a perdue tout à l'heure. Reviens à la tasse. Oui, c'est bon. Tiens, Swan. Tu te sers comme le crochet. Et voilà. Néo a trois objets et nous, on n'en a que deux. Swan, faut qu'on rattrape ça. Oh là là, oh là là. Le loup commence à en avoir assez. Il fatigue. Il ferme la mâchoire au fur et à mesure. Bleu pour Néo. Je me dépêche. Néo a déjà quatre objets. Bleu pour nous aussi, Swan. J'essaye le château. Oui, le plus dur en bleu, c'est la fleur là. Et voilà Swan, un château pour toi. Allez, je vais faire un château de sable. Orange. Déjà trois objets pour nous, quatre pour Néo. Néo est en tête, hein. Faut qu'on se dépêche avant que le loup ferme sa mâchoire. C'est bon pour Néo. Allez, c'est au tour de maman. Vert pour maman. Plus qu'un. C'est dur vert. Ah, c'est les lunettes. Attends. C'est pas facile, hein. Attends, je vais essayer avec le crochet peut-être plus. Oh. Ah oui, avec je vais essayer comme ça. C'est pas évident du tout. Oh non. Oh non, non, Swan, on doit rendre un objet encore. Zut. Deux objets. Ben, celui que j'ai essayé d'attraper, je l'ai remis dedans, puis donne un autre. Un château, j'en ai marre. Allez, on renonce au château. Allez. C'est au tour de Néo. Allez, Néo. Néo doit attraper un objet bleu. La mâchoire est presque fermée, là, c'est tendu, hein. Alors donnez-moi ce château. J'ai Oui, c'est bien. Oh là là, mais Néo a 6 objets. Il est en train de nous mettre une ratatouille terrible. Alors, bleu.
Oh là là, pas de chance. Regarde Swan où il est le bleu. Super dur. Super dur. Il est dur. C'est un trèfle. Oh là là. Oh là, là. Trèfle 4 fois, il a chance. Viens là, petit trèfle. Petit petit. Oh là là, comment on fait pour attraper ça? Et là. Ah oh non, oh non, okay. Non. Eh ben non, on n'a rien attrapé du tout, il faut rendre un objet à Swan. Oh là là, désolé petit cœur, désolé, c'est encore pire que tout à l'heure. Ah, attends, j'en ai moins besoin. C'est la grenouille que j'ai besoin vraiment. Tu gardes la grenouille? Ouais. Et Néo, du coup, tu as combien d'objets? J'en ai précisément 6. Oh là là, et nous, Swan? Un seul. Donc là, deuxième partie, victoire incontestable de Néo à Malochico. Là, il a eu tout le monde, Swan, maman, c'est le champion. C'est lui qui a gagné. Je te ferai la grenouille, merci. Oh, là, t'es gentil. Bravo Néo, bravo. Là, t'as bien mérité, t'as bien gagné, super. Alors les garçons, c'est fini pour Malochico? C'est fini. Oui. Comment vous avez trouvé ce jeu alors? C'était trop bien. Méga bien. Même pour Swan? Oui. C'est pas trop dur? Si, très dur. Un petit peu quand même, hein. C'est un petit peu dur. Alors, pourtant, il précise que ce jeu est à partir de 4 ans. Moi, je trouve qu'à partir de 4 ans, c'est pas évident. Hein. Oui. C'est pas évident, il faut beaucoup, beaucoup de précision. Ouais, c'était pas simple. C'était pas simple. Mais par contre, c'est un bon exercice. Ouais. Ouais. Bon, ça, c'est bien. Et puis, du coup, tout le monde a pu jouer. Ouais. Même maman. Ça, c'était bien. Les garçons, est-ce que vous avez l'habitude d'aller chez le dentiste? Oui, tous les ans. Moi, je suis allée au dentiste un jour. Chez le dentiste. Tu y vas tous les ans, chérie. Au moment de la rentrée des classes, les garçons font un petit séjour chez le dentiste pour vérifier l'état de leurs dents. Et est-ce que vous avez déjà eu des caries? Non, jamais. Non. Non, toujours jamais. Pas. Tant mieux d'ailleurs, hein, tant mieux. Tant qu'on peut les éviter, c'est parfait. Les copains et les copines, dites-nous si vous aussi, vous êtes déjà rendus chez le dentiste. Dites-nous les commentaires. Pensez au bonnet. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les copains et les copines. Bye bye. À bientôt les copains et les copines. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. On vous fait plein de gros bisous. On vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye, bye. Bah c'est bon. Ça y est, vous avez croqué les mains? Oui c'est bon. Oh bah ça va, il fait pas trop mal pour un loup quand même, hein. Oui, quand même, c'est un gentil loup. Oh pauvre loup.